Ce verdict n'est ni un coup de tête ni un coup de cœur. C'est un verdict éclairé. C'est un verdict inspiré que de raison. J'espère que ce verdict soulèvera les consciences parce qu'il n'y a rien de pire que d'être accusé d'un crime qu'on n'a pas commis. Il y a une règle fondamentale qui veut que s'il y a un doute raisonnable, ce doute profite au prévenu. Et donc le tribunal, finalement, a retenu ce doute. Nous pensons qu'il s'est trompé et nous allons porter en appel, la question, en espérant évidemment que l'autorité d'appel se distancera, ce qu'elle fait régulièrement, du tribunal de première instance.